Welkom op het panel, het eerste panel van de namiddag. Ik ging beginnen met bedanken, maar het dankwoord is eigenlijk al gebeurd daarnet. Maar ik wil gewoon nog een keer heel kort SIVA bedanken voor deze fantastische ontvangst. Ook alle panelleden die tijd vrijmaken om hier met ons te praten over het digitale in het museum. En natuurlijk ook Bimuseum om dit mogelijk te maken als ontmoeting. Ik ga even kort inleiden waarover het panel precies gaat, want de titel in het Engels is misschien nogal cryptisch. From Physical to Digital Experiences, the Redefinition of the Post-COVID Museum's Boundaries. Traduit en français, c'est donc des expériences physiques aux expériences numériques, la redéfinition des frontières du musée post-Covid. Juste un peu pour vous signaler un peu le scope de ce panel. Donc, en fait, le digital, le numérique, ça peut concerner beaucoup de choses. Dus dat kan over heel veel dingen gaan, digitaal. We gaan het hier niet hebben over digitale ticketing of over digitaal collectiebeheer of wat dan ook. We gaan ons op dit panel echt focussen op alles wat te maken heeft met publiekswerking, communicatie ook voor een stukje, dus echt de digitale beleving in het museum. Dus dat is wel belangrijk om even te zeggen bij het begin van dit panel. Ik ga misschien ook mezelf heel kort even voorstellen. Daarna gaan ook de andere panelleden zich voorstellen. Dus ik ben Pieter van der Geinst. Ik ben verantwoordelijke voor Brussels Museums. Wij zijn een VZ2 die eigenlijk de koepel is van alle musea in Brussel. Dus we hebben 122 leden. Dus er zijn 122 musea in Brussel. Zeer divers, een beetje geïnspireerd op Koen van Mechelen. Dus we hebben ook een zeer grote diversiteit in musea in Brussel. Dus wat doet Brussels Museums? Wij zijn dus het overlegplatform voor al die musea. Dus een soort professioneel platform, een netwerkplatform voor die musea. En wij doen ook een heleboel activiteiten ter promotie van de musea, zoals heel binnenkort op 23 oktober Museum Night Fever. Na 2 jaar afwezigheid zijn we er terug met de museumnacht in Brussel. Ik ga niet meer promotie maken, maar jullie zijn allemaal welkom op 23 oktober. Dus voilà, Brussels Museums, koepel van musea in Brussel. Dat was voor mijn heel korte voorstelling. Diane. Bonjour à tous, bienvenue. Donc un petit mot de présentation. Donc, je m'appelle Diane de Crève, je travaille pour Musée Société en Wallonie, qui est une ASBL qui fédère les musées situés sur le territoire wallon. Donc, nous avons pas mal de projets qui valorisent nos membres, leurs activités et leurs collections. Et parallèlement à cela, nous menons différentes missions, des missions telles que la professionnalisation du secteur, la représentation des musées, la promotion et également l'innovation. Et qui dit innovation, bien entendu, dit nouvelles technologies. Et je suis conseillère en nouvelles technologies et chargée de projets patrimoine. Donc voilà pour la brève présentation. Donc Peter vient donc de nous citer le titre de ce panel, qui va donc parler de l'impact de la crise sanitaire et on va essayer de voir en quoi cette crise a peut-être modifié les frontières entre le virtuel et le réel. Alors, comme cela vient d'être précisé, on va vraiment se focaliser ici sur l'expérience du visiteur. Donc évidemment, les technologies ont apporté beaucoup de modifications, que ce soit au niveau de la gestion économique, les modèles de communication, de gestion de façon générale, mais ici, on va vraiment se focaliser sur l'aspect expérience du visiteur et donc plutôt vers la médiation. Alors, donc, comme vous le savez, la crise sanitaire a impacté le secteur muséal. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien, bien entendu. En termes de fréquentation, évidemment, en 2020, il y a eu une chute d'environ 50 à 70% par rapport à 2019. Donc évidemment, tout cela laisse des traces. Par rapport à ces situations inédites, les musées ont dû se réinventer, trouver des solutions, surtout également pour pouvoir garder le contact avec le public. Alors, dans ces solutions, il y avait évidemment l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, on va vraiment se pencher aujourd'hui sur la façon dont ces nouvelles solutions, ou en tout cas, je ne sais pas si elles sont nouvelles, mais en tout cas, elles ont été utilisées de façon beaucoup plus intensive et exploitées différemment, voir comment ces solutions digitales, numériques à distance vont aujourd'hui impacter nos pratiques et les évolutions de tout ceci aujourd'hui. Yeah.
We gaan een aantal heel concrete vragen proberen te beantwoorden in het panel, dus met de gasten hier. Vragen zoals, wat zijn bijvoorbeeld beperkingen van een digitale bezoekerservaring? Want dat is toch een andere ervaring dan een fysieke bezoekerservaring. Hoe zit het met de fractuur numeriek, dus met de digitale kloof? Want niet iedereen is altijd mee met al die nieuwe digitale snufjes. Ook vragen rond publiekswerking, van kunnen we nieuwe publieken aantrekken? We willen allemaal op zoek gaan naar nieuwe publieken die we nu niet kunnen bereiken. Is het digitale daar een middel toe? Dus die vraag gaan we ook stellen. Ook de vraag, want het mag ook wel wat kritischer zijn. We hebben hier niet alleen mensen die u gedurende een uur gaan promotie geven voor het digitale. We willen ook kritisch kijken naar, van, zijn daar beperkingen? Misschien gaan mensen op een bepaald moment zeggen van, ik heb er echt genoeg van. Ik kan het niet meer zien. Ik wil terug fysiek naar een museum. Stop met die online dingen. Wat doen we daarmee? Zijn er bepaalde digitale dingen die misschien blijven, ook na COVID? Dus wat zijn de blijvers? Wat zijn de good practices? Dus dat zijn eigenlijk allemaal vragen die we straks gaan proberen te behandelen met het panel, die Dian nu even kort gaat voorstellen. Voilà, donc comme Peter vient de le dire, nous allons aujourd'hui poser pas mal de questions à nos speakers. Donc des questions par rapport à diverses choses, notamment la notion d'inclusion, dans quoi les nouvelles technologies vont impacter l'aspect inclusif des musées, mais également la fracture numérique par rapport à des publics qui n'ont peut-être pas les moyens. Donc voilà, beaucoup de choses par rapport à l'expérience du visiteur. Donc un petit mot peut-être sur la façon dont ça va se dérouler. Donc on va inviter nos quatre speakers à se présenter en 5 minutes. Donc on va être intransigeant à ce niveau-là car le timing est serré. Donc nos quatre speakers vont pouvoir se présenter ou présenter un projet en particulier. Par la suite, nous allons discuter des différentes questions que nous venons de citer sous forme de table ronde. Donc voilà, un échange assez spontané. C'est le choix qu'on a fait pour que ce soit plus convivial. Et donc, à la suite de cette table ronde, il y aurait une petite conclusion et un moment de questions-réponses. Alors, tout de suite, nous avons donc le plaisir d'accueillir Marianne Dom du musée de l'Université de Gand, donc Ghent University Museum, Anna Loporcaro du CANAL, Centre Pompidou, et Romain Jacquet de MSU qui va nous parler du projet Behind the Museum, et Monique Verhelst de Faro. Donc voilà. Monique, ik stel voor dat we beginnen met jou, dus je gaat even kort toelichten wat Faro doet en ook specifiek in context met het digitale. Oui, brièvement, j'ai oublié de dire, donc comme vous l'avez vu, notre panel est bilingue. Donc on invite chacun à parler la langue qu'il souhaite. Et si le PowerPoint n'est pas traduit, donc Peter et moi veillerons à la traduction, en tout cas des idées principales. Goedemiddag iedereen. Zoals voorgesteld, ik ben Monique Verhelst, ik werk voor Faro. Faro is het steunpunt voor cultureel erfgoed in Vlaanderen. Wij werken voor de hele cultureel erfgoedsector. Vooral natuurlijk voor musea, archieven, erfgoedbibliotheken, maar ook voor bijvoorbeeld erfgoedcellen en gemeentelijke diensten. Zij komen naar ons met vragen en wij organiseren vormingen. We kijken naar binnen- en buitenland naar nieuwe praktijken. En wij proberen natuurlijk het brede publiek kennis te laten maken met al wat dat met erfgoed te maken heeft. Onder andere door de erfgoed-app, die steeds meer gedownload en gebruikt wordt. En ook door Erfgoeddag. Volgend jaar is dat trouwens een week. Ik ga heel kort overgaan naar wat dat onze acties van Faro geweest zijn om het veld te informeren op al wat het te maken had natuurlijk rond corona. Dus we zijn vrij snel geconfronteerd met allerhande zaken. We hebben natuurlijk ook onze rol als steunpunt vanaf het begin opgenomen. Dus vanaf bij aanvang waren wij betrokken bij de taskforce rond COVID-19 als een soort go-between tussen de overheden en virologen en het veld. We waren ook betrokken bij verschillende overlegorganen en in klankbordgroepen, want het is niet zo eenvoudig om een ministerieel besluit zomaar te vertalen naar de culturele erfgoedsector, maar dan ook niet naar de musea. Dus daar was elke keer heel veel overleg voor nodig. Ook overleg met andere partners in Brussel en Wallonië. Dus wij hebben soms toch wel contact gehad van hoe dat toestand
in de musea in Brussel was en daarbuiten. Dat is natuurlijk dat is gepaard gegaan met een protocol in het begin, met een 7-puntenplan, dat dan daarna geëvolueerd is naar een 10-puntenplan om de sector uit de lockdown te halen. Dat is uiteraard ook gelukt. Dus dat konden virologen en politieke besluitmakers kon dat overtuigen om toch open te blijven. Hè? Of open te gaan opnieuw. Dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan in het buitenland. Dus ze keken ook van het buitenland naar België. En hoe dat kwam, omdat de musea toch wel open konden zijn. Dus daar is een interesse geweest vanuit Frankrijk. We hebben ook een delegatie gestuurd vanuit Vlaanderen en Wallonië om dat toe te lichten. Er was een website waar dat op Faro alle informatie rond corona werd samengebracht. Er is een loket dat ik zelf van heel nauw opgevolgd heb. Heel veel vragen, dagelijks vragen over hoe de MB's, maar ook de nieuwe wetten telkens te begrijpen en om te zetten en heel kort op de bal spelen. Hè. Dus dat hebben we gedaan met een sectorgids te ontwikkelen. Helemaal niet in het begin, maar pas na een tijdje, omdat we toch wel zagen dat dat nodig was. Die werd gebruikt door musea, maar ook wel door andere organisaties die tentoonstellingsinfrastructuur hadden in hun gebouwen. Heel belangrijk was overleg. En, vroeger, al voor corona, bestond het Vlaams Museumoverleg. En dat is heel snel digitaal gegaan. Dat is geëvolueerd naar een museumoverleg XL, waar dat er veel meer musea, ook regionale musea, bij betrokken waren. Dus in het begin soms was dat wekelijks, daarna maandelijks. Daar zijn toch altijd wel heel veel museumdirecteurs aanwezig om te overleggen, om na te gaan hoe dat het daar bij hun over de vloer en hoe dat de coronatoestand daar was. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over corona, er zijn ook nog andere thema's. Wat heeft Varen ook van in het begin gedaan? Live sessies georganiseerd. Dat heeft zich wat opgebouwd. De allereerste live sessie, daar waren wel wat mensen bij betrokken. En dat was eigenlijk om vooral de musea uit de lockdown te halen. Dus die eerste live sessies was heel praktijkgericht. Van hoe ga je met het museum om? Hoe ga je om met het nieuwe publiek, met die nieuwe wetten? En uiteindelijk waren er andere live sessies, bijvoorbeeld over digitaal rondleiden, over digitaal participeren. En natuurlijk ook heel belangrijk voor ons vandaag, over digitaal een publiek bereiken. En dat heeft toch wel heel veel bezoekers getrokken. Al die brochures van die live sessies staan uiteraard ook nog altijd op de Faro-site. Dus ik raad jullie zeker aan om die ook eens te gaan bekijken. Wat is er nog gebeurd? Heel recentelijk is er een rapport opgemaakt van Erfgoed en Corona, een balans. Het geeft dus een balans over de sector. Een heel groot luik gaat over het digitale input en het digitale verwerkingsproces tijdens corona. Die komt online volgende week maandag. Dus kunnen jullie die helemaal integraal nalezen. Een klein artikeltje voor de mensen die misschien al het tijdschrift van Faro hebben gelezen. Daar was een samenvatting in. En uiteraard kijken wij ook naar de toekomst. Hè. Dus het is heel belangrijk om ook in de toekomst de impact van de sector en de noden te blijven detecteren. En opportuniteiten en kansen in de gaten te houden. En uiteraard met meer dan alleen maar rond het thema corona te werken. Dat zijn we zeker van plan. Bonjour, bonjour. Alors moi je vais me mettre debout, comme ça je verrai mieux. Romain Jacquet, donc je travaille chez Musée et Société en Wallonie. Je suis un collègue de Diane, donc je ne vais pas m'exposer beaucoup plus là-dessus puisque j'ai 5 minutes. Allons-y directement. Donc Behind the Museum, voici le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est grâce à ce projet-là que j'aurai quelques arguments pour la discussion ensuite. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais Behind the Museum, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une plateforme en ligne qui est disponible gratuitement. Donc via l'adresse que vous voyez et qui actuellement donc permet de découvrir pour le public, de découvrir 21 musées wallons et surtout les backstage des musées wallons. Donc ici on valorise en fait ce qui n'est pas accessible dans un musée, c'est les coulisses des musées, voilà. Alors on peut les découvrir de trois manières. Vous voyez à gauche, à côté de Peter,
À côté des cheveux de Peter, non, c'est très bien. Donc en fait, il y a des visites virtuelles. Donc ces visites virtuelles-là, ces technologies nous permettent d'aller dans des espaces qu'on ne peut pas accéder. Et donc on peut les visiter. Je vais vous expliquer ensuite ce que c'est. Alors, la deuxième manière, je réalise des interviews. Interviews donc, du personnel des musées. Et ici, donc, le but est d'aborder des problématiques et des thématiques qui ne sont jamais rencontrées ou très rarement dans une exposition classique, on va dire. Et puis, juste ici, donc le troisième point, ce sont des photographies avec un procédé artistique, deux pièces de collection qui ne font pas partie en général du patrimoine connu ou célèbre et qui permettent de mettre justement ces pièces un petit peu méconnues en valeur et d'en faire des véritables œuvres d'art. Alors voici la première partie, donc c'est les visites virtuelles de musées et donc elle nous permet, comme je vous l'ai dit, de faire visiter des espaces qui ne sont pas accessibles. Alors ici, on est au musée du masque. Et donc, vous voyez les musées du masque de Binche. On est dans la collection chinoise. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre des contenus, des interviews, etc. pour aborder donc, des thématiques qu'on ne saurait pas voir en vrai. Alors la deuxième, nous montrons aussi donc, dans ces visites virtuelles des expositions temporaires qui n'existent plus, qui sont désormais terminées. Et donc là, l'intérêt, c'est d'avoir un dialogue par rapport à ces expositions terminées, mais aussi de permettre de les conserver numériquement. Et donc, pour les générations futures, et notamment pour la recherche, d'avoir des idées sur la muséologie qui était en place à ce moment-là. Ça permet aussi au public de visiter, donc ici, dans ce cas-ci, c'est une exposition Automat. Et en fait, cette exposition, elle est restée fermée, donc elle n'a même pas été ouverte, elle est restée fermée pendant tout le confinement. Et donc ça a permis au musée de la valoriser et maintenant de l'exploiter grâce à son site internet. Mais s'ils le souhaitent, d'exploiter cet outil au sein même de leur exposition temporaire prochaine. Le dernier point, donc, je réalise donc, des visites virtuelles, et mes collègues aussi, hein, je dis « je », mais c'est nous, c'est une équipe. Nous réalisons donc, des visites virtuelles d'espaces qui sont amenés à être modifiés ou à disparaître. Et donc là, on est donc à l'Aquarium Muséum de Liège, de l'Université de Liège. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une exposition, donc c'est une muséographie qui datait des années 60-70, qui a été digitalisée et qui désormais a évolué. Donc maintenant, il y a eu des travaux qui ont été faits, etc. Et à nouveau, donc, ça permet pour le public de découvrir quelque chose qui n'existe plus, mais aussi d'avoir un discours. Donc l'institution peut avoir un discours par rapport à l'évolution de sa muséographie et aussi les normes qui changent et les besoins des publics, etc. Donc ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans les démarches qu'un musée peut proposer. Alors le deuxième point donc, de cette plateforme, la deuxième chose, je vous le disais, ce sont les interviews. Et en fait, ces interviews, elles permettent de donner du corps aux visites virtuelles grâce à des thématiques abordées qui sont très rares, qui sont rarement rencontrées dans les musées. Donc par exemple, ici, on le voit, la personne est en train d'expliquer un petit peu comment on peut manipuler des marionnettes au musée de la marionnette de Tournai avec les différentes normes de conservation, etc. Mais il y a aussi donc, une valorisation de tous les métiers. Donc moi, je veux, via ces vidéos-là, en fait, souligner l'aspect humain qu'il y a derrière les métiers de tous les musées en mettant autant en valeur des métiers très célèbres comme les conservateurs, etc., que des personnels d'accueil ou de nettoyage qui, en fait, sont clairement indispensables pour le bon fonctionnement d'une structure. Et donc, on essaye aussi d'aborder un maximum donc les problèmes, les problématiques que les musées rencontrent, mais aussi différentes anecdotes. J'essaye de souligner aussi la passion des gens qui disent « voilà, moi, je me lève le matin parce que j'adore cette institution » ou alors « moi, j'ai des difficultés avec tel ou tel métier parce que j'ai mal au dos ». Et c'est important, je pense, de donner un petit peu d'humanité aussi, grâce à ces vidéos, au parcours virtuel. Le troisième point donc, de la plateforme, c'est ces photos de collection. Donc vous le voyez, parfois, c'est des objets qui ne sortent pas de l'ordinaire, comme ici, on a une patte de biche, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais qui devient, grâce au procédé qu'ils utilisent, carrément une œuvre d'art en soi.
Et le masque à côté, donc qui vient, c'est un masque coréen, donc je ne sais plus lequel, mais pareil, c'est un masque assez contemporain, et donc ça lui permet aussi d'avoir une certaine visibilité, de pouvoir mettre un discours derrière ces objets, et ça nous permet aussi de les utiliser pour notre promotion du projet, ce qui est pas mal aussi parce qu'ils ont, ils ont quand même un très très bon rendu. Alors ici, pardon. Encore une petite minute. Ah oui, pardon. Ben, je vais rapidement vous expliquer les bénéficiaires du projet. Donc évidemment, je travaille pour la fédération. Les bénéficiaires, ils sont doubles. On parle de public, mais nous, il y a aussi nos bénéficiaires principaux, c'est les musées. Et donc le projet, il répond à des enjeux, à des besoins de nos musées, notamment en termes, je pourrais dire, de promotion, de digital, etc., mais aussi d'accessibilité. Donc tous les musées que vous verrez dans le projet, ils sont de tout type. Il y a une sélection qui est faite en fonction du projet qui me présente, mais qu'il soit gros, petit, telle thématique ou telle autre thématique, ils sont acceptés aussi. Et évidemment, projet pour le public, nous, c'est un nouveau projet à imposer, c'est un nouveau produit à imposer. Donc chez MSW, on a une communication qui se fait sur les réseaux sociaux, qui se fait sur nos sites web, qui se fait par les sites web de nos membres, mais ce n'est pas une communication qui est hyper importante. Et donc, voilà, on va devoir travailler encore là-dessus. On a lancé une campagne de promotion en septembre 2021. J'y passe directement, boum, boum, boum. Et voilà, ça vous intéressait, le tableau donc, des consultations du site, avec à chaque fois un pic lors de la mise en ligne d'un musée par mois, un second pic lors du renvoi, on va dire, lorsqu'on reparle sur les réseaux sociaux, etc. Et ici, on voit une forme assez particulière. Ben là, c'est en fait quand les musées font leur promotion, c'est le Solvant à Verviers, lorsque les musées font leur promotion, on a donc un pic de visite qui est beaucoup plus important et beaucoup plus stable, ce qui signifie que, en fait, lorsque les musées utilisent leur promotion en plus de la nôtre, on a vraiment des résultats qui sortent et qui sont plus impressionnants. À l'arrière, vous voyez ici une campagne promotionnelle qu'on a faite pendant les vacances, et ici, on n'avait publié aucun musée et on n'avait fait aucune publication sur Internet pour voir les résultats que ça pouvait avoir. On a quand même mis une certaine somme d'argent et les résultats de la campagne promotionnelle ne sont pas si terribles que ça, finalement, pour l'argent injecté. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une réflexion sur comment toucher nos publics. Est-ce qu'on les atteint de la bonne manière? Voilà, on progresse. Rapidement, s'il me reste 30 secondes, comment les publics ont réussi à atteindre la plateforme? Eh bien, visiblement, c'est une recherche directe sur le navigateur. Donc, c'est assez interpellant, comme quoi les gens connaissent quand même le Behind the Museum. Et les différentes sources ensuite, c'est la RTBF, c'est une recherche Google organique. Et enfin, à la fin, en tout tout petit, c'est notre promotion à nous. Donc, ce qui fait qu'on à nouveau... Mais c'est pas évident de toucher les publics, c'est vraiment des métiers qui sont spécifiques en marketing culturel, et donc nous, pour l'instant, on est face à ce problème-là chez MSW et on y travaille. Voilà, désolé, c'était très très bref, et voilà. Merci Romain. Tout ça en même temps. Oui. Bonjour à tous, donc je suis Anna Le Porcaro, je travaille à Canal Centre Pompidou. Sans doute que tout le monde connaît Canal, ou en tout cas le projet Canal, puisque le musée est encore fermé, il est en mutation, donc c'est l'ancien garage Citroën placé sur la place de l'Isère, qui est en mutation pour devenir un futur musée d'art moderne et contemporain, mais pas que, puisqu'il réunira à terme aussi le SIVA sous le même toit, et donc voilà, deviendra ce que moi j'appelle plutôt un lieu de vie, aussi avec de la culture, de l'art, de l'architecture, des performances, donc un lieu très multidisciplinaire et vraiment dans une zone où je pense que l'équilibre peut être fait aussi grâce à la culture et à l'inclusion des publics. Donc, c'est moi qui bouge, pardon.
Comme vous savez, donc on est fermé maintenant, en tout cas jusqu'en 2024. Canal a eu deux moments d'ouverture au public, de pic, qui était le tout premier en 2018 avec Canal Brut, où vraiment le garage a été ouvert tel quel au public avec la collection du Centre Pompidou, et donc pendant un an, vraiment une expérimentation un peu organique, on va dire, et très directe avec le public. Et puis la deuxième qui devait démarrer en avril 2020 avec l'exposition de John Armleder, It Never Ends, mais qui a dû être reportée pour cause, comme tout le monde le connaît, de pandémie. Donc on a reporté cette exposition en septembre de la même année, mais très vite, tout était très instable. Donc comme vous l'avez tous vécu aussi au quotidien, on tricoter, détricoter constamment nos programmes. Donc, on était certes ouvert au public, mais avec des jauges, avec pas de possibilité de programmer ou d'imaginer des formats d'échange en direct avec le public. Et donc, nous est venue l'idée à un moment donné. En fait, elle était déjà là, elle était un peu dans notre wish list pour le futur, pour 2024. C'était de mettre en place une radio. Et donc, Studio K est né un peu prématurément, puisqu'elle devait naître un peu plus tard dans nos réflexions. Mais justement parce que cette instabilité liée à la pandémie nous a amené à un moment à se dire il faut qu'on continue quand même notre mission. En plus, l'expérimentation de l'exposition était que de 7 mois, sachant qu'on allait être fermé de nouveau 3 ans. Pour nous, dans l'équipe, il y avait vraiment cette urgence de trouver quand même un moyen d'être présent, de dialoguer, de trouver une plateforme ou un outil d'hospitalité envers les artistes, déjà, avec qui nous travaillons, mais aussi avec le public, et d'offrir cette plateforme-là. Donc, on avait mis dans notre statement que Studio K était une déclaration de dépendance, s'il y avait une leçon à tirer de cette pandémie, c'est que nous avons besoin les uns des autres, et était conçu comme un moment d'hospitalité, de réflexion sur l'avenir du musée et de notre société. Donc, pour Studio K, nous avons imaginé des... J'arrive pas à tout gérer. Oui, merci. Donc des interviews, des débats, des lectures, des créations radiophoniques, des archives d'histoire de l'art, de la programmation musicale et aussi des live sets. Aussi, ce qui était chouette, c'est qu'au fur et à mesure de l'expérimentation, les choses s'assouplissaient, les mesures s'assouplissaient. Donc on a pu quand même rencontrer de plus en plus aussi un échange après avec le public. Et surtout, ce qui nous a permis aussi de mettre en place cette radio en très peu de temps, c'était les radios concédées. Enfin, c'était une partie de la programmation a été concédée à des partenaires que nous avons identifiés, qui étaient vraiment pour nous, c'était des cartes blanches qu'on leur donnait. Et c'était des associations, des conférenciers invités, organisations externes telles que Xeno, Florent Delval, Le Siva, Magali Alter et Sama Ijaoui. Et on a eu aussi un moment de programme participatif, aussi dans l'idée d'essayer d'expérimenter, de toucher des publics, qui était une capsule qui s'appelait Dream Drum Rêve, qui était ouverte à tout public avec une ligne ouverte téléphonique où on pouvait laisser un message sur je rêve d'un musée, quel genre de musée les gens rêvaient d'avoir. Et Blabla Art, qui était un projet en collaboration avec l'association TADA, qui est une association du quartier de Molenbeek. Nous avons abordé des sujets très différents et divers, comme le féminisme, le care, donc le soin, le queerness, la diversité, la gentrification, la décolonisation, la langue et la pluridisciplinarité. Et peut-être en quelques chiffres, alors juste pour préciser, l'expérimentation dont je vous parle a duré 1 mois. Ensuite, elle a été réactivée à quelques moments, mais donc les chiffres sont vraiment ceux à la fin de cette première expérimentation-là. Donc on a eu 87 invités sur 16 jours, 30 émissions enregistrées par Canal, 42 envoyées par nos partenaires, 12 émissions en direct. En tout, 1043 heures de matériel d'écoute. On a pu enregistrer, en tout cas, on avait un outil qui nous permettait de voir combien d'auditeurs s'étaient connectés. Donc, il y en a eu 3576. Et fin février, plus ou moins, on a eu 404 réécoutes via les podcasts, puisque toutes les émissions ont été après déposées sur SoundCloud et Spotify.
Et peut-être ce qui me semblait le plus important aussi, en tout cas dans nos métiers, vu qu'on est entre professionnels du métier, c'est qu'un projet comme ça, en plus dans un temps de pandémie, n'a pas été facile à accoucher. Il a nécessité vraiment la collaboration de toute une équipe, de la programmation à la production, à la communication, à l'administration, et avec un télétravail obligatoire à un moment donné. Donc ça a été un vrai tour de force de pouvoir accoucher du projet en temps et en heure, surtout que personne d'entre nous n'était vraiment des experts en radiophonie. On n'avait jamais fait ça, donc on s'est tous lancés un peu comme ça, la tête la première, avec cette envie, en tout cas, de proposer quelque chose qui soit différent de ce qu'on connaît dans les propositions qui ont été faites digitales, qui étaient plutôt sonores et plutôt liées à une immersion qu'on pouvait apporter, différente que visuelle. Pour un musée qui propose des arts visuels, c'était vraiment pour nous un exercice d'introspection et de revenir vraiment à quelque chose où l'écoute devenait essentielle et d'enlever un peu l'image et l'écran, si on veut, du quotidien, du public auquel on essaie de s'adresser. Donc voilà, c'est toute l'équipe, il y a une deuxième slide qui a travaillé, donc c'est vraiment conséquent. Et puis pour la dernière slide, donc Studio K a quand même continué après cette expérimentation-là. On a vraiment pris plaisir à le faire. Donc on a par exemple participé au Still Standing for Culture où on a proposé Studio K comme un espace pour l'organisation. On a partagé cette émission avec Radio Panique et Radio Campus. Donc c'était vraiment chouette aussi d'avoir des pairs plutôt du métier radio, de radio, pouvoir travailler avec eux sur Still Standing. Ensuite, on l'a réactivé au moment où l'expo était en cours sur un point de vue plus autour de l'écoféminisme. Et ensuite, pour le dernier week-end d'exposition, Studio K Never Ends, c'était un peu en lien avec l'exposition qui s'appelait It Never Ends, mais elle s'est quand même arrêtée à un moment donné. Mais donc, dans l'idée que cette expérimentation-là, qui finalement était positive, l'idée de la continuer, de continuer à expérimenter cet outil-là comme un outil digital possible pour le musée. Parfait, merci Anna. Je vais passer à Marianne. Ah, ja. Voor de laatste voorbeeld. Goedemiddag allemaal. Ik ben dus Marianne Doom van het GUM, of het Gent Universiteitsmuseum. Ik heb niet zo'n verhaal te brengen als voor en na quarantaine of coronaperiode, want wij zijn geopend midden in de coronaperiode. Wij wouden eigenlijk openen in maart 2020 en we hebben dat moeten uitstellen. Dus wij zijn eigenlijk maar recent, laten we zeggen, onder normale omstandigheden aan het lopen. Dus eigenlijk hebben we enkel ervaring in quarantaine. Voor zij die het GUM nog niet zouden kennen, wij zijn dus een universiteitsmuseum, het eerste in Vlaanderen. Dat is geopend. Wij ontsluiten eigenlijk de collectie van de universiteit. Een rijke collectie, of toch in de diversiteit en disciplines die daar vertegenwoordigd zijn. En wij brengen een verhaal over wetenschappelijk denken. Dus wij zijn geen klassiek, denk ik, wetenschapsmuseum, maar wij proberen een forum te zijn, een forum voor wetenschap, twijfel en kunst, waar we eigenlijk kritisch burgerschap, kritisch denken trachten te delen met een publiek. En trachten eigenlijk kritisch burgerschap te activeren. Voor mij is dat ook belangrijk, het woord activatie, het activerende museum. Dat zijn wij absoluut. We zijn dus een onderdeel van de universiteit, maar hebben daar toch een zeker autonomie in. Zoals jullie zien, met een eigen huisstijl bijvoorbeeld, enzovoort. Wij zijn dus een wetenschapsmuseum, alhoewel ik ons eerder onderzoeksmuseum wil noemen. Waar we de zoekende mens tonen, waarbij dat we verschillende methodieken om onderzoek aan te vatten naast elkaar trachten te leggen. Eén daarvan de wetenschappelijke, maar daarnaast leggen we evengoed de artistieke onderzoeksmethodiek bijvoorbeeld. En klassiek zou men dus verwachten in een wetenschapsmuseum dat daar heel veel gedigitaliseerd is, of dat er heel veel schermen ter beschikking zouden staan enzovoort. Daarboven
doelen wij op een publiek tussen de 18 en 25 jaar. Wij doelen dus echt op de studenten. En dan zou je misschien nog meer verwachten dat wij het digitale museum zijn. Dat zijn wij dus absoluut niet. En dat is een heel bewuste keuze. Ik heb het dan over de beleving, want dat is waar het panel over gaat. Hè, over de beleving in het museum zelf. Ik heb het niet over communicatiekanalen en zo. Maar, dus de beleving, onze bezoekersbeleving, is eigenlijk gericht op de relatie met het object. Het object staat bij ons centraal. In onze permanente opstelling tonen wij ook 800 objecten. Dat is behoorlijk wat, denk ik. Dus voor ons is de beleving rond het object, de esthetische beleving, veel belangrijker dan de digitale beleving. Waar we dan toch digitale tools inzetten in de opstelling zelf, dat is steeds wel overwogen. En daar wou ik een aantal voorbeelden voor geven. Waarom kiezen we op bepaalde plekken om toch een scherm te zetten? Wat ik nog wou meegeven, dus het aantal schermen per vierkante meter bij ons is beperkt. Dat zorgt er ook voor dat natuurhistorische musea die klassiek duur zijn, Monique weet dat ook wel, denk ik, per vierkante meter is dat normaal een hoge kostprijs omwille van die digitale tools en schermen. Dat is bij ons dus dat valt behoorlijk mee als je ons benchmarkt met andere wetenschapsmusea of natuurhistorische musea. Waar kiezen we nu wel om een scherm in te zetten? Zoals gezegd, wij brengen veel objecten. Wij brengen dat eigenlijk ook in een open opstelling. Ik had misschien beter eerst een blik in de ruimte getoond. Maar wij brengen dat in een heel open opstelling met heel veel objecten door elkaar uit verschillende disciplines. Wanneer je binnenwandelt, is het toch een soort wonderkabinetgevoel. En we willen ook dat mensen daar verwonderd rondlopen en eigenlijk zelf een weg een beetje zoeken doorheen de opstelling. Dus we leiden de bezoeker zo goed als niet. En toch heeft hij natuurlijk een houvast of een aantal tools nodig om zijn weg te vinden. En schermen of digitale tools zijn voor ons een manier om te gaan navigeren doorheen de opstelling. En bepaalde digitale dragers die we brengen, die geven een houvast in het niveau van informatieontsluiting. Bijvoorbeeld, per thema is er een inleidende video waar we een wetenschapper aan het woord laten, die het thema inleidt. En we hebben in de opstelling, in de scenografie, worden die video's begeleid met een geluidskoepel. En eigenlijk doorheen de opstelling zijn die geluidskoepels een bepaalde route die de bezoeker uitzet en dat hij weet dat hij daar een inleiding krijgt. Dus eigenlijk maken we de bijna visuele elementen als houvast om je weg te navigeren doorheen de opstelling. Dus navigatie is één stuk waarom we kiezen soms voor een scherm. Interactie met het publiek is een tweede belangrijke item waarom we schermen kiezen. Vooral in onze tijdelijke tentoonstellingen bijvoorbeeld, willen we de bezoeker ook actief laten participeren in onderzoek, citizen science projecten. En om dus data te gaan verzamelen bij de bezoekers, hebben we vaak ook schermen nodig. Om een voorbeeld te geven, onze expo, sorry, ik ga hier een beetje reclame maken, in maart, die opent, heet Fallus, Norm en Worm. En daar gaan wij samen met onderzoekers uit het Universitair Ziekenhuis een tool maken die een zelfevaluatie zou moeten brengen van seksuele identiteit. Dat is een tool die nog niet bestaat, dus eigenlijk bieden wij die onderzoekers in het museum een plek aan om data bij bezoekers te gaan beginnen verzamelen. Dus interactie aangaan, data verzamelen bij bezoekers, dat is een tweede reden voor ons om voor een scherm te kiezen. Verdiepen, dat is bij ons een derde ontsluitingsniveau zeg maar, van informatie. Eigenlijk om de 3 meter staan er tabletvormen waar je door de catalogus van de objecten kan gaan bladeren. Zoals gezegd brengen wij heel veel objecten en willen we eigenlijk als een eerste beleving in de museale opstelling vooral verwondering, zelf exploreren aanbieden. Maar voor zij die toch willen gaan verdiepen, en we hebben natuurlijk wel een specifieke community, de onderzoekscommunity, zeg maar, die dat wel echt wil, die kan gaan exploreren
in de catalogus. Dus verdiepen is zeker ook een reden voor ons om een scherm aan te bieden. Als laatste, beleving, een digitale of eerder immersieve beleving in film. Dat is zeker onze permanente opstelling ook een reden om dan groot digitaal of met grote schermen te werken. Maar steeds door een kunstenaar in commissie, zeg maar. Dit zijn onze openings- en eindfilmen van de permanente opstelling door de Brusselse cineaste Sarah van Acht. Dus de grootste schermen bij ons in de opstelling is niet door wetenschap ingenomen, maar wel door een artistiek project. Dus believing. Voilà. Dat was het eigenlijk, denk ik, voor mijn inleiding. Donc, merci bien. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de ce panel, donc à savoir la table ronde, donc la discussion. Et pour ce faire, nous avons concocté quelques petites questions. Donc, voilà. Ja, dus het tweede deel, en het belangrijkste eigenlijk misschien wel, is de discussie. Dus we hebben een aantal vragen verzonnen voor onze panelleden. Gewoon nog een keer even kort samenvattend. Dus Faro is hier aanwezig, dus met een algemeen zicht over een beetje de Vlaamse toestand en wat is er gebeurd op digitaal vlak. Marian, die net het Gents Universitair Museum heeft gepresenteerd, dus museum dat eigenlijk een beetje claimt wetenschapsmuseum te zijn zonder echt veel digitale tools. Er zijn er wel een aantal, maar er is heel goed over nagedacht. Dan ook Behind the Museum, MSW, dus een soort praktijk van virtuele rondleidingen. Iets wat dat je wel meer en meer ziet nu, recent. En dan ook Anna van Kanaal, die dus met het format radio ook geprobeerd heeft om op een digitale manier contact te houden met de bezoekers. Dus voilà, dat is een beetje als achtergrond. We gaan niet noodzakelijk verder gaan over die vier cases, maar zo weten jullie wel een beetje wat dat de achtergrond van de mensen is. De vragen zijn vrij algemeen en ik ga direct beginnen met Une première question. Donc, je vais commencer avec une première question. Toutes les questions sont dans les deux langues. Donc, moi, je vais parler néerlandais, mais la question est aussi en français. Une belangrijke vraag. Ik denk dat we het antwoord wel min of meer weten, maar ik ga ze toch stellen, omdat het wel belangrijk is. Dus ik denk dat je echt een periode pre-COVID hebt en post-COVID. Ja, we zijn nog een beetje in COVID, want we dachten toen dat we dit opgesteld hadden van oktober wordt post-COVID. Het is niet echt post, we zitten nog eigenlijk... dit is nog altijd COVID-periode. Maar COVID heeft wel toch een breuklijn veroorzaakt qua, denk ik, digitalisering en vooral over hoe musea denken en gaan werken. En wat dat de plaats van het digitale is in die manier van denken en werken van de musea. Dus mijn eerste vraag voor het panel is eigenlijk van in hoeverre heeft COVID-19 echt die breuklijn betekend rond digitalisering? Donc, comment le COVID-19 a-t-il vraiment changé la façon de regarder le digital dans les musées? Voilà, je pose la question au panel, donc je ne sais pas qui veut répondre. Dank je. Heeft COVID de digitale grenzen van musea doen opschuiven? Uiteraard wel, natuurlijk. Hè. Dus het is niet dat het digitale compleet nieuw was in de sector, maar COVID heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat er plots een serieuze versnelling moest gebeuren. Dus ze waren wel al langer bezig met de digitale collectieregistratie, uiteraard. Maar nu, we mogen het niet hebben over andere zaken, maar heel veel mensen in de musea hebben toch ook wel van thuis uit moeten werken. Dus op dat vlak is het digitale ook al geïntroduceerd. Nu, op vlak van publiekswerking zijn er ook heel veel versnellingen gebeurd. Onder andere ook al bijvoorbeeld een shop, dat is een bron van inkomsten die wegvalt. Die zijn digitaal geworden. Een aantal andere zaken, uiteraard een veel breder publiek bereiken. Dus zij zijn gebruik gaan maken van social media. Sommige doelgericht, andere minder doelgericht naar een bepaald publiek toe. Hebben ook heel veel digitale content meegegeven op verschillende manieren. Dus er is plots geëxperimenteerd met tentoonstellingen online te plaatsen. Voor sommigen was dat een analoge aanpak die dat digitaal gezet is, wat dat niet altijd de bedoeling is natuurlijk. Er zijn digitale workshops geweest. Er zijn artist talks, maar dan online geweest.
En heel wat andere zaken. Dus ik ga eens kijken wat ik hier nog heb opgeschreven. Heel interessant was wel het digitale courieren. Nu, het heeft niks met publiekswerking te maken, maar dat is iets wat in de Vlaamse musea daarvoor nooit zijn intrede had gedaan voor COVID. Dus digitaal courieren vind ik zelf wel ook heel interessant. Monique, ja. Wat bedoelt je daar precies? Digitaal courieren is dat de bruiklenen uit de musea binnenkomen, maar dat ging natuurlijk niet uit in COVID-19, tijdens de lockdown, is dat ze digitaal werden verwerkt en wel werden teruggezonden naar hun oorspronkelijk museum. Dus er moet geen medewerker meer meegaan van het ene museum naar het buitenland, naar het andere. Alles is digitaal. En dat was bijvoorbeeld in het Museum van Schone Kunsten toen de Van Eyck tentoonstelling nog volop aan de gang was, was er een lockdown. Dus die stukken moesten eigenlijk terug weg. En dat is dan digitaal, niet overal, niet met alles, maar dat heeft daar toen wel zijn intrede gedaan. Door het feit dat de musea veel digitaler werden, was het ook veel beter zichtbaar voor bepaalde doelpublieken. Voor jongeren, maar bijvoorbeeld ook voor mensen met beperkingen. Terwijl het vroeger digitaal een heel beperkt aanbod was, werden deze mensen nu wel heel ruim bediend. En dat is dan ook wel een opsteker. Maar men liep toch ook wel door het digitaliseren van de publiekswerking tegen grenzen aan. Dus online tentoonstellen is niet zo makkelijk. Het is niet louter een omzetting van het analoge naar het digitale. Er is veel meer expertise voor nodig. Daar is ook tijd voor nodig. Er is ook een budget voor nodig. En dat zijn allemaal zaken dat de musea niet altijd in eerste instantie hebben, natuurlijk. En er moet ook een betaalbereidheid zijn door het publiek. Dus het publiek verwacht dat al wat dat digitaal wordt aangeboden, dat dat gratis is. Dus dat is ook al een problematiek om in de toekomst over na te denken. Ja. Voilà, donc peut-être brièvement traduire ce qui vient d'être dit. Donc en effet, Monique confirme que oui, les frontières ont bien été modifiées. Il y a eu un effet d'accélération par la crise dans les réflexions et dans les offres. Rien que le fait que les gens étaient à la maison, mais également les professionnels du secteur qui travaillaient à domicile, donc rien que ça, ça a déjà beaucoup influencé. Donc beaucoup d'offres en ligne, une place aux réseaux sociaux aussi. Au niveau des offres en ligne, l'apparition d'ateliers, de discussions avec des artistes, de visites virtuelles, donc voilà, beaucoup de choses qui pouvaient se faire avant, mais qui n'avaient pas autant de place en tout cas. L'aspect positif de tout ça, c'est que les publics empêchés, qui avaient une offre très réduite avant la crise, ben, maintenant on reçu en tout cas, on voit un potentiel en tout cas pour tout ce type de public. Monique a également souligné les expositions en ligne, mais qui nécessitent quand même du temps et voilà, un investissement en coût. Voilà, je pense, dans les grandes lignes, les propos sont traduits. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça ou si on peut passer à une autre question. Alors, justement, on parlait de beaucoup d'offres en ligne. Comment faire pour aller au-delà du contenu, du simple contenu en ligne ? Donc, actuellement, je viens de citer donc, pas mal de choses, que ce soit les podcasts ou les visites virtuelles, les vues 360. Donc, il y a énormément de choses qui se mettent en place en ligne. Maintenant, ça devient presque facile de poster un simple contenu. Comment aller au-delà du contenu en ligne ? Voilà, pour exploiter le potentiel de ces technologies. Moi, je dirais déjà que simple contenu en ligne, je pense qu'il avait sa légitimité lorsqu'on était confiné, quand les musées étaient fermés, etc. En termes d'accessibilité à la culture, c'était, entre guillemets, le seul moyen de pouvoir y toucher un petit peu. Alors maintenant qu'on est déconfiné, maintenant que les musées sont tous réouverts, comment justifier justement un simple contenu ? Et pour moi, le fait d'utiliser une technologie digitale, le numérique, je pense qu'il faut utiliser absolument, la justifier grâce à sa plus-value.
Donc toute technologie digitale a une plus-value. Par exemple, je vous ai montré Behind the Museum. Ça nous permettait à nous de valoriser des espaces qui sont inaccessibles. Ça nous permettait d'aborder des thématiques qui ne le sont pas habituellement dans les musées. Et donc ça, pour moi, ça justifie cette utilisation du digital. Et comme ça, on en utilise pas à tort et à travers, comme certains simples contenus sont encore en ligne pour l'instant et auront probablement tendance à disparaître peu à peu parce que les gens vont s'en lasser. Enfin, ça reste mon avis. Oui. Enfin, dans l'absolu, d'accord, parce qu'il y a eu vraiment différents moments pendant notre crise l'année dernière, ou entre le lockdown complet, où il a fallu réagir ou se réinventer très vite, et ensuite voilà, une période où ça s'est installé, on a eu un peu plus de recul. Moi, je dirais aussi que dans notre cas, on ne l'a pas considéré comme un simple contenu en ligne, aussi parce que on a traité Studio K comme une exposition, parce que c'est un peu notre métier, on ne savait pas comment faire autrement. C'est-à-dire, on a réuni des idées, des artistes, on a essayé que ça soit le plus divers possible, que ça touche différents, quand ça aborde différents sujets, mais finalement quand on rentre dans Studio K, on choisit un peu comme dans un menu ce qu'on a envie d'entendre et de vraiment se concentrer sur une thématique et par conséquent avec une temporalité qui est complètement différente, qui dépasse cette urgence qu'on avait l'année dernière et qui permet en quelque sorte, et c'est ce qu'on se dit pour le futur de la radio, c'est que ça nous permet un archivage qui nous semble essentiel, qui est vraiment de l'ordre de l'audio, effectivement, mais qui est un archivage d'un temps précis où il y avait une crise, on a essayé d'y répondre avec des thématiques différentes, mais qui, au fur et à mesure, peuvent se développer sur d'autres thématiques, avec d'autres points de vue, et ainsi de suite. Enfin, c'est à l'infini. Donc, pour nous, ça dépasse cette simple offre. Ça marque aussi un moment, et c'est presque une archive de 2020 qui restera un peu gravée digitalement. Misschien al even vertalen. Hè. Dus de vraag van de eenvoudige online content waar je niets mee doet. Romain zei van tijdens de lockdown was dat zeker te rechtvaardigen, want iedereen zat in crisis, moest heel snel beslissen wat dat ze gingen doen. Dus als je dan gewoon zegt van kijk, we zetten onze tentoonstelling gewoon online, sans plus, dus zonder echt veel extra moeite, dan kon je nog zeggen van oké, dat is te rechtvaardigen, want dat was het enige wat dat er was. Maar natuurlijk, nu dat we opnieuw in een periode zitten waarin dat de musea weer open zijn, als je dat soort dingen blijft doen en denkt dat dat voldoende is, ja, dat is natuurlijk niet het geval, want waarom zouden mensen online naar iets gaan kijken waar dat je eigenlijk live in het museum iets veel beter en veel authentieker en veel echter kunt zien. Dus ik denk dat, als ik het goed begrijp wat Romain zegt, is van het belang van digitale nu, dat is dat het digitale een echte meerwaarde moet betekenen, ook een vrai plus-value. Het moet een meerwaarde zijn. Als je gewoon hetzelfde doet, dan kun je even goed in het echt naar het museum gaan kijken. En die meerwaarde blijkt onder andere bij een project als Behind the Museum, waar dat er bijvoorbeeld ontoegankelijke delen van een museum worden getoond, of dat je zegt van kijk, we gaan met bepaalde verhinderde publieken, mensen in situatie van handicap die normaal niet naar het museum kunnen gaan, gaan we toch het museum ontsluiten via het digitale. Dus dat lijkt me wel heel belangrijk, dat digitale echt moet gezien worden vanuit wat is de meerwaarde. En als er geen meerwaarde is, dan is het misschien beter om niet te veel van alles digitaal te gaan verzinnen. Wat Anna zei van Kanaal, en ik had het zelf nog niet zo bekeken, maar dat klopt eigenlijk wel. We hebben een heel specifieke periode beleefd, coronacrisis, en een medium zoals radio wordt eigenlijk bij Kanaal gebruikt als een soort archief, een soort geluidsarchief van een tijdperk, corona, met heel veel twijfels, heel veel onzekerheden. En wat Anna zegt is, voor ons is dat een beetje zoals een expo. Dat is eigenlijk een soort archief-expo van een bepaalde periode, een heel opmerkelijke periode in de recente geschiedenis. En het digitale heeft in die zin die functie dat het digitale toelaat om te archiveren. Dus een soort tijdsdocument van een bepaalde tijdsperk van een bepaalde periode. Wat dat je live natuurlijk niet kunt, want het live is sowieso vergankelijk. Dus het digitale laat toe om bepaalde dingen echt wel te gaan archiveren voor de toekomst. Ik weet niet of dat er nog andere mensen willen reageren op deze vraag, of dat ik misschien een volgende vraag lanceer. Ik zal misschien een volgende vraag lanceren. Eigenlijk zijn ze allemaal een beetje in het verlengde van elkaar.
We hebben het nu al gehad over content, over online content en wat je daarmee moet doen. Een vraag die we dan automatisch ook stellen, ik denk wij zelf als museum, dat is zo van, ja, maar ja, wij willen wel dingen online doen en digitaal, maar dat is zo moeilijk en dat is met techniek en dat heeft te maken met apps en met ontwikkeling. En dus voilà, er zijn heel veel vragen rond van noden. Van wat moeten wij doen? Hoe moeten we dat doen? Ook financieel. Het financiële aspect is ook al aan bod gekomen. Vaak kosten die dingen heel veel geld. Dus voilà, de vraag die ik een beetje wil stellen aan het panel is van wat zijn nu eigenlijk de noden, vooral op vlak van technologie bij de musea? Dus waarmee worden musea geconfronteerd als ze dit soort thema's willen, als ze daar iets mee willen doen? Monique. Dank u. Zoals al gezegd, een digitale shift in de musea, dat kost tijd en geld. En dat is er niet altijd. Maar daar is ook een strategie voor nodig, uiteraard. Hè. Dus, en die expertise zit niet altijd binnen in de musea. Dus er is nood aan, nieuwe digitale expertise personen binnen in de musea, zoals bijvoorbeeld een digitale strateeg, een digitale bemiddelaar, een digitale curator. Dat is, het analoge is gewoon helemaal anders dan het digitale, dus je hebt daar ook specifieke expertise voor nodig. En daar is ook financiële ondersteuning voor nodig. En niet eenmalig, maar op veel lange termijn. Want dat moet altijd aangepast worden. En zoals dat ik daar straks al zei, dus die digitale... Die betaalbaarheid door een publiek is er niet. Tenzij dat je natuurlijk heel grote internationale namen altijd gaat uitnodigen. Maar dat is ook niet altijd vol te houden. Dus dat is heel belangrijk omdat daarover nagedacht wordt. Er is ook geen tijd onder corona geweest om daarover na te denken. En om bijvoorbeeld goede en slechte praktijken te gaan vergelijken. Dus er moet nagedacht worden op een soort van state of the art. Wat werkt er, wat werkt er niet? En heel belangrijk is natuurlijk ook waar we musea wel mee geconfronteerd worden, dat zijn bezoekerscijfers. Een digitale bezoeker is natuurlijk ook wel een bezoeker. Dus, en er is heel weinig geweten over die digitale bezoekers. Hoe ga je dat meten? Wie zijn die mensen? Zijn dat anderen dan de fysieke bezoekers? Hebben ze andere interesses? En er moet een manier gevonden worden, ook in heel Europa, omdat dat overal een problematiek is, om daarmee om te gaan. Die GDPR-wetgeving moet natuurlijk kunnen gevolgd worden, dus dat is heel moeilijk in dit geval. En eens dat er is, willen we natuurlijk die kennis over die digitale bezoeker ook gaan gebruiken, inzetten in communicatie, marketingdoeleinden. En ook, zoals Anna zei, alle informatie die dat digitaal wordt meegegeven, wordt, kan gearchiveerd worden. Dus dat is altijd voer voor de toekomst natuurlijk. Maar een digitale strategie is in de toekomst zeker nodig, op het hele brede vlak. Merci. Donc une petite traduction de ce que Monique vient de dire. Donc la question portait sur les besoins pour les musées. Quels sont les besoins en termes de technologie par rapport justement à ce que l'on a vécu pendant la crise. Donc comme on l'avait dit juste avant, évidemment du temps et de l'argent. Monique vient d'insister sur le fait qu'il fallait réellement créer une stratégie digitale. Donc voilà, on manque d'expertise dans les musées. L'expertise n'est pas toujours présente au niveau digital. Donc des nouveaux profils peut-être, en tout cas des nouvelles compétences qui sont maintenant nécessaires. Maintenant aussi, on a un certain regard par rapport à ce qui s'est fait. Donc, on a été un peu dans l'urgence pendant la crise, mais avec le temps, on doit voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et vraiment voilà, se poser les bonnes questions pour que les pratiques soient vraiment efficaces et pertinentes. Il y a aussi la difficulté de connaître les visiteurs en ligne. Donc, les visiteurs en ligne sont quand même des visiteurs, mais voilà, à distance, n'est pas toujours facile de mesurer leurs besoins, ni de les toucher en termes de marketing. Voilà, parce qu'on manque parfois un peu de données par rapport à ces personnes à distance. Je vais peut-être passer à une prochaine. Volgende vraag. Ah oui, Diane.
Voilà, donc on a parlé tout à l'heure par rapport au contenu d'une réelle plus-value des contenus. Mais voilà, la technologie est-elle une réelle plus-value pour attirer de nouveaux publics? Donc on a parlé tout à l'heure de publics empêchés qui avaient un peu plus de nouvelles propositions. Au-delà des publics empêchés, il y a également les millennials, donc les jeunes qui sont baignés dans la technologie. Donc voilà, comment toucher ces publics qui sont peut-être moins présents au musée? Est-ce que la technologie est une solution ou au contraire, justement, est-ce que la technologie accentuerait une fracture numérique? Donc certaines personnes n'ont peut-être pas accès à la technologie par manque de connaissances, par manque de moyens. Donc voilà, par rapport à ces nouveaux publics ou en tout cas à ces publics qui sont moins habitués, est-ce que c'est une réponse ou non? Voilà, merci. Ik ga daar misschien eventjes op inpikken, omdat ik, zoals ik daarnet heb verteld, als het GUM als casus dan, die zich richt op jongeren en op de millennials, en dat dus eigenlijk in tegenstelling tot het klassieke wetenschapsmuseum weinig digitale tools brengt, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat nu na een jaar, in coronatijden, maar toch na een jaar, dat we dat publiek wel degelijk lijken te bereiken en dat die... echt wel naar het museum zelf komen. Tot nu toe zit 36% ongeveer van onze ticketverkoop bij min 26-jarigen. Dus dat lijkt toch aan te slaan. Dus het clichébeeld dat millennials op zoek zijn naar alleen maar digitale tools, ik ben daar niet van overtuigd, eerlijk gezegd. Ik denk dat zij ook in musea zoeken naar authentieke ervaringen, en samen zijn. Dus ik denk dat we een beetje moeten afstappen van dat clichébeeld. Millennials laten zich misschien via andere wegen bereiken. En als het gaat over communicatiestrategie, dan zal die millennial wel op een andere manier moeten bereikt worden dan de 60-plusser. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar of ze per definitie iets anders zoeken in de ruimte, in situ, daar ben ik eigenlijk niet van overtuigd. Voilà, donc Marianne précise que donc à Gand c'est un musée universitaire et donc comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, le public est assez jeune. Donc ils ont pris le parti pris justement de ne pas laisser trop de place à la technologie comme on l'a vu lors de la présentation. Donc il y a bien quelques écrans mais qui sont vraiment choisis, donc soit pour aider le visiteur à naviguer, soit pour approfondir, donc voilà, on a vu tout à l'heure. Et donc malgré que la technologie ne soit pas vraiment un point important dans le musée, les chiffres montrent que les jeunes se déplacent quand même. Donc voilà, si j'ai bien compris, il faut sortir de ce cliché que les jeunes ont besoin de technologie, parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Ok, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Nous, ici, on parle de nouveaux publics, mais on pense aux millennials, effectivement, on pense à ces publics émergents, mais je pense que pour une institution, il faut aussi penser aux anciens publics qu'on n'arrivait pas à atteindre. Par exemple, je l'ai dit tantôt, les personnes à besoins spécifiques, etc., qui sont finalement aussi un nouveau public, puisqu'ils n'avaient aucune possibilité, en tout cas auparavant, de les toucher. Je pense notamment, nous, grâce à Behind, on a pu travailler avec des musées qui avaient des soucis d'accessibilité parce qu'ils étaient dans des bâtiments classés, suscite aucune possibilité de faire des nouvelles rampes ou en tout cas d'adapter ces structures pour accepter simplement une personne en chaise ou une personne âgée. J'ai plein d'exemples en Wallonie de structures voilà, qui ne sauraient pas s'adapter par rapport à ça. Et grâce au projet et grâce à la technologie numérique, on a permis donc de leur apporter un outil pour que ces certains publics-là, moi je les considère désormais comme des nouveaux publics aussi parce qu'ils ne les touchaient pas avant, puissent désormais pouvoir avoir accès à certaines parties d'un musée ou aussi à un espace qui est à des horaires difficiles d'accès. Les mines de Spienne, par exemple, elles sont fermées la moitié du temps de l'année. Donc ici, grâce à une visite virtuelle, on peut faire entrer des gens qui doivent descendre une échelle de 8 à 10 mètres. On peut faire entrer des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées, et on peut leur permettre d'accéder, entre guillemets, à quelque chose qui est assez, assez extraordinaire. Oui, quand Romain dit ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte des publics qui n'accèdent de toute
enfin, de toute manière, et ça c'est un constat à certains musées, rien que par des soucis d'accessibilité. Mais au-delà de ça, si, pour revenir aux millennials, moi je me pose vraiment la question. Nous, je pense pas qu'on les ait atteints, parce que je pense que pour les atteindre, il faut utiliser leurs canaux de diffusion, enfin les canaux de diffusion qui les touchent. Et je pense pas. Alors j'ai ma collègue de la communication qui est là. J'ai l'impression que ce sont des canaux encore différents que ceux qu'on utilise de manière classique dans un musée. Enfin, ma fille de 13 ans me dit que Facebook c'est obsolète. Alors je pensais que j'étais connectée. Mais voilà, donc pour moi, c'est les millénials, c'est vraiment encore un public cible très précis que je pense que, enfin, vraiment dans le constat de la radio, je pense pas que ça soit cela qu'on ait touché avec la radio, même si le contenu était très divers et inclusif, etc. Mais c'était pas destiné aux millénials, ça restait quand même quelque chose qui était une proposition plutôt de musée à public amateur averti, mais pas forcément à cette jeunesse-là. Et pour la fracture numérique, je retrouvais un article qui était paru dans Le Vif en mars cette année qui disait que 40% des Belges font face à une situation de vulnérabilité numérique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès parfois à un Wi-Fi stable, et on l'a vu aussi auprès des jeunes adolescents qui ont dû faire une scolarité online qui était vraiment précarisée l'année dernière du fait qu'ils n'aient pas accès. Donc je pense qu'il y a une réalité vraiment sociétale avec cette évolution technologique qui va très vite d'un côté, et je pense qu'il y a vraiment à un moment cette fracture qui commence à se faire sentir. En tout cas, on l'a senti l'année dernière très fort. Ik ga misschien heel even kort vertalen. Dus Behind the Museum, dat is een heel specifiek case natuurlijk, maar zij slaan er natuurlijk wel in om via dus dat soort online tours nieuwe publieken te gaan bereiken, vooral mensen die verhinderd zijn, mensen met een handicap, of ook voor musea, en zo zijn er wel, die heel beperkte openingsuren hebben, die bijvoorbeeld één keer per maand een deuren openen gedurende 2 uur. Dus iets digitaals kan natuurlijk helpen om die plekken veel meer toegankelijk te maken dan dat ze daarvoor waren. Dus het digitale wereld heeft wel ergens opportuniteit, maar je moet echt wel goed gaan zien waarvoor dat je het gaat gebruiken. Wat de millennials betreft, in het GUM zeggen ze van, kijk, die millennials die zoeken eigenlijk ook gewoon authenticiteit en samen zijn. Wat dat eigenlijk vooral belangrijk is hoe dat je ze bereikt, dus je communicatie. Dus misschien niet te veel focussen op het aanbod, digitaal of niet. Maar vooraleer dat je aanbod hebt, moet je het natuurlijk eerst bereiken, communiceren. En dat lijkt echt wel cruciaal te zijn. Dus als je er niet in slaagt om op een juiste manier je aanbod te verspreiden en te communiceren, dan gaan die millennials natuurlijk niet komen. Hè. Je mocht digitaal zijn wat dat je wilt. Als ze er niet van op de hoogte zijn, dan gaan ze zeker niet komen. Dus heel belangrijk, cruciaal, is je communicatie en de manier waarop dat je die millennials bereikt. En een frappant cijfer, wat Anna zei, en ik wist dat zelf ook niet, blijkbaar is 40% van de Belgen in een situatie van digitale kwetsbaarheid. Dus dat betekent dat die eigenlijk niet altijd over stabiel internet beschikken of over de perfecte omstandigheid om zich digitaal te connecteren. Dus wij denken altijd dat iedereen digitaal altijd overal kan geconnecteerd zijn. Maar 40% is wel gigantisch. Hè? Dus bijna 1 op de 2 die eigenlijk wel nu en dan een keer een probleem heeft met internet of geen toegang heeft tot internet. Dus ik denk dat dat wel een cijfer is dat ook belangrijk is. Je vais peut-être passer à une prochaine question. We hebben het al een beetje besproken, hè, maar toch nog een keer specifiek daarop focussen. Dus we hebben, stel, er zijn digitale toepassingen, je hebt digitale tools ontwikkeld. Wat zijn van die digitale tools de beperkingen als het gaat over bezoekerservaring, over de kwaliteit van die digitale tools, en welke oplossingen kunnen we hiervoor verzinnen? Dus hier gaat het specifiek over de bezoekerservaring en wat maakt een digitale bezoekerservaring anders dan een fysieke bezoekerservaring? Misschien eventjes teruggrijpen zelfs naar de ICOM-definitie van een museum. Wat willen we als museum zijn? Welk huis willen we zijn? En wat voor ervaring willen we bieden? En ik denk in de huidige context, naar hoe dat digitale tools op dit moment ter beschikking worden gesteld, ben ik er niet van overtuigd dat het in de beleving zelf een absolute meerwaarde biedt.
Een museum vertrekt voor mij nog altijd vanuit een collectie. Dat is mijn persoonlijke mening, hè. Maar vertrekt vanuit een collectie. Als ik nu mijn sector voor ogen zie, dan heb je drie verschillende types instituten. Zijn de science centers, zoals een Technopolis, waar alles digitaal en doe is, waar er geen collectie is. Je hebt natuurhistorische musea en wetenschapsmusea. Ik hoor op congressen van natuurhistorische musea wel eens meer en meer het woord hybride museum vallen, waar eigenlijk wordt gezegd, ja, we gaan de collectie meer naar het depot terugbrengen, dus daar zit het veilig. En eigenlijk wat we willen vertellen, dat kunnen we ook evengoed via digitale tools. Dus minder collectie te tonen en meer via digitale applicaties. Ik ben absoluut geen voorstander daarvan. Als we als museum of als musea willen staan voor het brengen van authentieke ervaringen, de relatie tot erfgoed enzovoort, dan ben ik absoluut de voorstander van de objecten ook in de ruimte te brengen en om bezoekers aan te moedigen om de dialoog rond het erfgoed aan te gaan. Dus wat is voor mij een absolute beperking in de digitale toepassing, is dat er op dit moment, naar de applicaties die we hebben, denk ik, er ook nog altijd een laag tussen zit, tussen jouw relatie tot het object. Er zit een scherm tussen, er zit een applicatie die je moet downloaden, of er zit altijd een stap of een scherm tussen, wat voor een zekere afstand zorgt. Het zorgt ook voor een zekere afstand met een andere bezoeker, waardoor hij het meer individueel beleeft, terwijl dat musea net willen verbindend zijn, denk ik. Dus ja, die soort afstand, wat zijn oplossingen daarvoor, denk ik, is een verdere ontwikkeling van tools. Er is een beweging geweest toen VR en AR op de markt kwam, dat alle musea zich daarop gestort hadden. Eigenlijk ook zonder te bevragen aan onze bezoekers, willen jullie dat? En eigenlijk zie ik nu dat dat meer en meer terug verdwijnt uit de musea, omdat ik denk dat bezoekers dat ook gewoon niet vragen. Maar oplossingen zouden zijn, denk ik, eens de tools of de technologie zo ver staat dat het een gezamenlijke beleving niet meer in de weg zou staan en dat het net weer een dialoog zou aanzwengelen. Denk aan Google Glasses, dat het echt een laag op je beleving legt, maar dat het toch nog een gemeenschappelijke, gezamenlijke beleving zou kunnen bieden. Dat is, denk ik, voor de toekomst. Voilà, donc pour Marianne, donc personnellement, son avis, ce serait de laisser vraiment la place à l'objet. Donc dans la définition du musée, le musée a ses collections à valoriser. Et elle donne l'exemple de certains musées qui relèguent 50% des collections dans les réserves pour laisser une grande place aux technologies dans les expositions. Et ce n'est pas selon elle une bonne solution, car la relation avec l'objet est vraiment primordiale. L'écran est une étape supplémentaire par rapport aux collections et peut-être justement nuit à notre découverte de l'objet. Donc les solutions seraient vraiment le développement d'outils. Mais par contre, là, Peter, je fais appel à toi parce que j'ai un peu moins compris les exemples. Oui, donc le futur, c'est qu'on trouve des outils donc qui réussissent à nouveau à faire réunir les gens, parce que maintenant tout le monde est avec son écran, regarde son écran et ne parle plus à l'autre. Donc l'avenir, c'est ça, c'est des applications digitales, mais qui permettent quand même de se rencontrer toujours et éviter qu'on ait tous derrière son propre écran. Tinder. Il y avait le Google Classroom, donc il y a des trucs qui permettent justement cette interactivité. Donc, on me signale qu'il est temps de passer aux questions-réponses, donc je ne sais pas s'il y a une dernière question peut-être, ou si on a déjà bien fait le tour. Voilà, donc on va peut-être simplement conclure le débat, un peu plus écourté que prévu. Donc, à titre de conclusion, je vous invite peut-être chacun en 30 secondes à exprimer peut-être soit une remarque en particulier sur ce qui vient d'être dit, un point bien précis, ou peut-être simplement votre avis personnel par rapport
à tout le débat que l'on vient d'avoir. Pour l'instant, j'en ai marre des écrans. On a notre smartphone tout le temps, etc. J'ai fait, il n'y a pas si longtemps, la visite du mémorial de Waterloo. Énormément d'écrans à l'intérieur, ils le savent, mais à l'extérieur, il y a des animations, il y a moyen de rencontrer des gens, il y a moyen d'y avoir un dialogue humain. Et pour moi, je trouvais que c'était un bon mélange des deux, en tout cas, et qu'il y a moyen d'aller vers ça. Qu'il faut mettre, maintenant, il faut mettre les méthodes en place pour y arriver, effectivement. Voor mij de conclusie is het woord digitale strategie, of het zijn twee woorden. Dus digitale tools, applicaties, ja, maar niet blind erin springen en zeer doordacht op wel bepaalde plekken en voor wel bepaalde doelen. Ja, ook een heel persoonlijke mededeling. Ik heb het laatste jaar heel veel ministeriële besluiten moeten lezen en telkens die sectorgids musea aanpassen. Gisteren hopelijk voor de laatste keer. Dat zit niet in mijn natuur. Ik ben dat helemaal niet. Ik vertoef veel liever in de musea, in de museale ruimtes en niet voor een wettekst. Dus ik hoop dat heel snel ten einde is. En dat was ook niet iets waar dat ik in het verleden mee geconfronteerd word. Dat is, ik ben geen jurist, helemaal niet, maar dat is van ons wel een beetje gemaakt de laatste tijd. Dus hopelijk is dat snel gedaan. Moi, ça sera même moins que 30 secondes. J'ai juste une phrase en tête et c'est un clin d'œil à Jennifer Beaulois, mais je ne la vois pas si elle est là. Moi, je dirais tout simplement, je ne sais pas chanter, let's get physical. Et voilà. Et donc, ça pourrait être peut-être un nouveau t-shirt l'année prochaine. Mais voilà, rien ne remplace l'expérience humaine qu'on peut avoir dans un musée, l'échange avec le public, l'échange avec nos médiateurs, public et ainsi de suite, les curateurs, les artistes. Et ça nous a manqué énormément. Donc voilà. Bon, merci aux quatre personnes pour vos interventions. Je suis curieux des questions dans le public. Dus ik ben benieuwd naar vragen bij jullie, bij het publiek. Dus als jullie een vraag hebben, steek maar uw hand. Je dois juste préciser que pour l'enregistrement, les personnes qui veulent poser leurs questions doivent absolument la poser dans un micro. On m'entend ? Ok. Donc en fait, moi j'ai une question concernant la formation numérique, parce que vous parlez beaucoup de ça, mais enfin aussi des coûts que ça intervient. Mais est-ce que donc dans l'urgence Covid, vous n'avez pas eu des problèmes de formation numérique, parce que ça a été très vite concret, il fallait très vite se trouver en ligne. Est-ce que ça a bien été fait ? Comment vous avez fait ? Comment vous en êtes sorti ? Vous avez contacté, on parlait de curateurs numériques, je pense. On parlait justement de personnes adaptées. Ce n'est pas un problème auquel certains musées ne peuvent pas résoudre, parce qu'on peut très bien faire par nous-mêmes, mais ça ne va pas être la même qualité qu'un très grand musée pourrait faire, ou des choses comme ça. Et aussi, est-ce qu'on est formé à l'archivage numérique ? Parce que tous les clouds, toutes les choses comme ça qui peuvent très vite fuiter, c'est des sujets qui sont débattus ou pas au sein de ce genre de comité, comme on disait, ou pas du tout, parce que ça a été très vite en ligne tout ça, mais est-ce que ça va être vraiment concevable ou... Oui, voilà. Enfin, est-ce que tout ce qui est archivage numérique et tout, la formation est qualitative, quoi. Est-ce que quelqu'un veut répondre donc à cette question ? Peut-être dans notre cas qui était vraiment particulier, parce que la radio était encore plus que peut-être ce qu'on peut filmer avec son téléphone ou faire appel à un professionnel qui filme une exposition, était un nouvel outil pour nous tous. Et donc on s'est fait on s'est encadré de trois professionnels radiologues, on les a appelés, qui nous ont suivis, mais tout a été très vite effectivement, et des émissions dans l'absolu était bien, mais il y a beaucoup de défauts aussi, genre beaucoup trop long pour la radio, le rythme qu'on donnait au discursif, en tout cas aux échanges qu'on avait avec des artistes, était parfois trop long, il devait être plus entrecoupé, etc. Donc on a appris en même temps qu'on faisait, on était un peu comme ça, les mains dedans, et au fur et à mesure qu'on produisait des émissions, on s'améliorait parce qu'on prenait un peu confiance. Après, il y a eu vraiment je me souviens d'une demi-journée de formation Reaper pour faire du montage. Je suis rentrée à la maison, j'ai perdu tous mes fichiers, je crois que j'en ai pleuré pendant 2 jours, et ainsi de suite. Et donc, en fait, on a vraiment appris sur le tas. C'est pas idéal, mais ça a marché. Et effectivement, on avait un vrai...
enfin, à se poser la question dans le musée futur, comment on va traiter le digital. Je pense qu'on est le digital curator, c'est vraiment spécifique. Après, nous, on aura un espace de 40 000 mètres carrés. Je pense qu'on va mettre plutôt l'accent sur des curateurs qui vont travailler au sein du musée physiquement. Et puis pour l'archivage, donc effectivement, pour l'instant, on n'est que sur du Spotify, SoundCloud et notre serveur. Donc on dit, bon, s'il y en a un qui tombe, il y a l'autre, et puis in fine, je ne sais pas trop. Mais effectivement, on se pose aussi la question, et là, ma collègue Jennifer est aussi spécialiste dans ces notions-là, de comment on va à terme avoir tous ces volumes, mais comment les traiter, quoi. Bonjour, je travaille dans un musée, c'est un petit musée en fait, et le palais du Codenberg ici à Bruxelles. Et en fait, je rejoins ce que madame a dit, on a appris sur le tas. On est une toute petite équipe et puis tout à coup, on s'est retrouvé à devoir montrer qu'on existe et surtout continuer à diffuser, à partager avec un public qui ne peut pas venir chez nous. Et on a fait beaucoup d'erreurs. Et enfin voilà, il faut être honnête, on essaye, on apprend par nous-mêmes, ça demande beaucoup de temps. On a perdu des masters, donc à un moment on se dit, tiens, finalement on a fait une chouette vidéo, elle est un peu bancale, mais elle peut encore être exploitée, améliorée, et puis on se dit, ben, on n'a plus le master, on ne sait plus rien faire. Donc et c'est un peu dommage parce que c'est beaucoup de temps, et il est très difficile de refaire des interviews de personnes qui ont déjà été interrogées sur une thématique. Mais finalement, ce n'est pas grave, on fait avec. Et puis par contre, je rejoins aussi ce que Madame de Faro a dit, c'est qu'on se rend compte qu'il est vraiment très important de développer une stratégie numérique et qu'on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Donc on a répondu à une demande express et urgente. Et puis maintenant, on se dit, non, il faut mettre quelque chose en place de durable pour trouver le bon équilibre entre la visite sur place et ce qu'on peut présenter en plus, parce qu'il est très difficile de présenter tout pendant une visite. D'abord, le visiteur, après une heure et demie, il sature. Il est très difficile de le faire revenir, sauf pour des événements exceptionnels. Et donc, il y a vraiment quelque chose, il faut intégrer ce numérique et avoir une personne de référence qui va toucher un peu toutes les disciplines. Il y a la question de l'archivage. À un moment, nos serveurs en interne, ils risquent de saturer. Alors, il faut faire appel à des experts, mais ils ne seront peut-être pas disponibles dans 2 ans. Et donc, il n'y aura plus cet historique. Toutes ces questions se posent, mais elles sont hyper intéressantes. Enfin, moi, j'adore, hein, donc c'est pour ça que je suis dedans maintenant. Mais il faut accepter l'erreur. Voilà, il n'y a rien de parfait. Et si on accepte qu'il y aura des échecs, un pas en avant, un pas en arrière, et puis 4 pas en avant, et là on ouvre la bouteille de champagne, mais c'est déjà super bien. Le principal, c'est de montrer au public et aux visiteurs, d'abord il y a la notion de partage, du partage pour tous, mais en même temps, il faut venir sur place, sentir une ambiance. Il n'y a pas que la connaissance, il y a l'ambiance, l'expérience, le ressenti sur place. Et voilà, on l'a vu nous avec nos audioguides, finalement les gens ne prenaient qu'un audioguide, le mettaient à fond, et ils étaient plusieurs sur l'audioguide, mais du coup ça créait une interactivité, donc nous on n'a jamais empêché ça, parce que ça permet un échange entre les gens. Désolée. Moi, j'ajouterais aussi que nous, chez MSW, en tant que fédération, on a 180 musées qui sont membres et on a vu les 2 cas d'échelle. On a vu des musées qui étaient très, très bien équipés à la base et qui, eux, ont été ultra efficaces, on va dire, en termes de promotion et de suivi sur les réseaux sociaux, etc. Et des musées qui étaient complètement démunis parce que ce n'était pas du tout une de leurs vocations auparavant. Ils ne voulaient pas spécialement aller dans les réseaux sociaux ou... Et du coup, là, on a rencontré des problèmes, beaucoup de questionnements. Et nous, ce qu'on a su mettre en place, en tout cas, c'est des formations qui leur sont adaptées à eux. Et ça, c'est le but de fédérations comme les nôtres. C'est d'essayer de répondre à leurs besoins avec nos connaissances et en allant chercher des professionnels qui pouvaient donner les bons conseils, etc. Voilà. Een andere vraag. Het is een paar keer vermeld geweest. Door het digitale leuk kunnen ook mensen met een beperking toegang krijgen tot een aanbod dat normaal gezien voor hen veel minder toegankelijk was.
Maar hebben we weet dat die mensen bereikt zijn en dat die ook hebben deelgenomen aan virtuele rondleidingen of andere digitale bezoeken? Dat, hebben we daar een retour van? Zoals ik daar straks zei, is het heel moeilijk om het digitale publiek te weten te komen. Nu, in het rapport dat maandag verschijnt, staat er wel dat musea een idee hebben dat, dat die mensen bereikt zijn, omdat ze daar ook feedback op gekregen hebben met andere organisaties. Maar heel specifiek is het natuurlijk heel moeilijk om te weten te komen wat dat juist, welke techniek dat aanslaat, welk digitaal element dat beter werkt voor hen en welke niet. Dus dat zal de toekomst uitwijzen een beetje, denk ik. J'ai peut-être rajouté encore une chose sur ta question. C'est que donc il y a maintenant un projet avec ICOM Solidarity, donc c'est une bourse européenne qui justement va étudier un peu ça. Donc il y aura quelques projets pilotes partout en Belgique qui vont un peu voir pour par exemple ce type de public, comment est-ce qu'on peut les toucher, quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'ils veulent avoir accès aux collections. Donc c'est une étude qui va courir à partir de maintenant jusqu'en principe mai-juin 2022, et puis voilà, il y aura des rapports sur ça et qui vont un peu plus détailler cette question, parce que la question est importante déjà de savoir quels sont les besoins de ces publics, parce que voilà, nous on pense que ça doit être intéressant pour eux, mais voilà, comment est-ce qu'ils le voient eux-mêmes, comment est-ce qu'ils veulent avoir l'accès. Donc voilà, il y a des études qui vont être entamées dans les mois à venir pour tenter de répondre à ça. Je vois Alexandre rigoler. Entre autres avec ICOM, donc voilà. Que les femmes enceintes, effectivement, n'ont peut-être pas tout envie de visiter la mine de Spiel. C'est ça, c'est ça. Ça faisait partie du public qui disait, vraiment. Zijn er nog vragen? Ja, mevrouw daar. Ici. Oui. Dernière question. Bonjour. Moi, je me demandais par rapport à toutes les compétences qui apparaissent, qui vous manquent, enfin, que vous dites qui vous manque, donc que ce soit pour le développement des stratégies de communication pour atteindre certains publics, ou bien quelle technologie mettre en place pour encourager l'interactivité dans les visiteurs, enfin, parmi les visiteurs. Est-ce que vous avez en fait, est-ce que vous trouvez que vous avez assez de ressources pour vous former là-dedans, même si ça prend du temps, évidemment, en dehors du contexte de la pandémie où vous avez dû réagir très rapidement. Mais quand vous avez le temps, est-ce que vous avez des ressources qui sont assez disponibles selon vous? Et si oui, comment est-ce que vous avez accès à toutes ces ressources? Parce qu'il me semble que Faro ou MSW offrent plein de choses pour vous outiller. Mais est-ce que vous avez accès facilement, soit en termes d'information, soit en termes de moyens, tout simplement, parfois pour payer ces formations, par exemple? Voilà, merci. Kun je dat nog eens even vertalen, Pieter? Want de laatste heb ik niet helemaal begrepen. Is het... Ja, de vraag was eigenlijk rond de vormingen. Van, dat is allemaal goed en wel, maar voilà, zijn er ook voldoende middelen, financieel? En ik denk ook naar personeelstijd. Van, ja, vinden de musea de weg naar die vormingen? Hebben ze daar tijd voor? Hebben ze daar geld voor om dat bij te wonen? Zijn er genoeg vormingen? Is er genoeg aanbod? Zo heb ik de vraag begrepen. Je vais quand même pas répondre en français parce que c'est peut-être trop difficile. Donc, il y aura quelqu'un pour traduire. Het is natuurlijk belangrijk welke richting de musea zelf uitgaan in de toekomst. En het is altijd op vraag van de musea en de sector dat wij vanuit Faro vormingen organiseren. Dus dat is misschien wel een belangrijke... Ik denk dat het koffie die kijken is, wat is de evolutie op het digitale... En welke vormingen gaan wij naar de toekomst aanbieden? Er zijn er natuurlijk al wel, maar inderdaad, zoals ik daar straks zei, er zijn er heel wat. Als we enkel digitaal blijven, maar de deur staat niet op een kier, dus we moeten gewoon kijken van welke mogelijkheden zijn er en wat willen de musea zelf in de toekomst? Voilà, donc
Évidemment, les associations justement qui offrent des formations de ce type doivent se questionner sur ce que veulent les musées et ce dont ils ont réellement besoin. Donc on tente de répondre à toutes ces demandes du mieux que l'on peut. Mais voilà, je ne sais pas si autre chose... Mag ik misschien ook nog antwoorden? Ja, natuurlijk. Los van vorming denk ik dat tot nu toe eigenlijk alles wat digitalisering betreft... middelen van een museum toch in eerste plaats naar digitalisering van collecties ging en niet zozeer naar publieksontsluiting. Misschien dat deze crisis, ik weet niet hoe je het moet noemen, dat daar wel voor een soort omslag heeft gezorgd, maar dan moet de vraag van het publiek wel blijven komen. En op dit moment heb ik niet helemaal het gevoel dat die vraag er is. Als die vraag wel duidelijk wordt, dan denk ik dat er een soort shift kan veroorzaakt worden. Maar als ik zou moeten kiezen waar de middelen naar digitalisering toe gaan, dan zou ik nog altijd kiezen voor collectiedigitalisering in de eerste plaats. Oui, donc si j'ai bien compris, il ne faut pas simplement voir ce que veulent les musées, mais aussi ce que veulent le public. Est-ce que le public a réellement besoin d'outils numériques? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la digitalisation, la numérisation des collections, ou réellement en termes de médiation? Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions pour dans cette stratégie numérique dont on parlait tout à l'heure, justement, de pouvoir prendre les bons axes, pas seulement par rapport à ce que nous avons envie, mais aussi par rapport à ce que les visiteurs réclament. Je pense qu'on va pouvoir terminer. Merci à tous. Merci.